Et salut les potes. Donc, il est 22h22. On va commencer ça un petit random, le break sans soir d'ailleurs. J'avais dit si vous le rappeliez hier soir, j'allais le faire. Hein? Je suis sûr que vous aviez un peu peur que je le fasse pas. C'est un propos dans la si Et ça salut tape, là, il est en écho parce que j'ai encore pas formé mon les son, mais ça potes. s'en vient. Si je vais le comprendre à un moment donné. Mais bref, fait qu'on va faire un petit random. On va brasser les dés. On va placer les dés un peu. Donc 6 fois, on va placer ça. Et là, on y va. Donc 3 belles boîtes là. C'est un break que j'aime bien ça. Donc pas gros, mais des boîtes que j'aime bien. La 2021 série 1, la Ingrain 819 et la chronologie. Donc on y va, on met ça de même. Donc Boston, Sam Boisvert, Rémi Ouellet, Buffalo, Caroline, Sybille Grenier, Tommy Gagnon, Chicago, Colorado, Kevin Leclerc, François-Vincent Talbot, la Columbus, Dallas, Kevin Lachance, Tommy Gagnon, Detroit, Edmonton, Jeffrey Taille, Steve Robitaille, la Floride, Tommy Gagnon, les Kings, Montréal, Michael Trudel. Ensuite Steve Robitaille, Nashville. Ensuite New Jersey, Nicolas Fredette, Monsieur Perron, les Islanders, les Rangers, Maxime Guérard. Ouais, il y a une faute dans ton nom, sorry bro, je vais la corriger. Charles Lévesque, Ottawa, Philadelphie, Monsieur Asselin. Ensuite, Kevin Leclerc, Pittsburgh. Rémi Ouellet, les Blues. Kevin Leclerc, le Lightning, Tampa, Toronto. Monsieur Caron. Seth Deschambault, Vancouver. Washington, Martin Gauthier, Yannick Baillargeon, Vegas, Coyote Jets, Monsieur Perron. Wild Ducks, Sam Delisle. Et San Jose, Calgary. Jean-Philippe Poisson. Et là, je vais aller voir Monsieur Steve qui fait des petits. Un bonhomme qui pleure, doit pas être content. La Floride et Nashville, nice, nice, nice one, nice one. Donc, va copier-coller ça et ensuite je vais mettre. Donc, la Floride et Nashville, ouais. Et là, on va définir. Et là, vous devriez le voir, et on le voit. Donc, on y va. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer avec la 2021. Après ça, on va faire la chrono et on va finir avec la ingrain. Imagine, là, qu'est-ce que tu vas boire si tu vas boire ta peine? Tu vas-tu boire un petit rum and coke? Tu vas-tu boire une petite bière? Tu vas-tu boire un petit gin tonic? Et là, ça, pas pantoute bien placé, tiens, quand même. Donc la 2021, donc là, les Rangers, hein? Donc Lafrenière, le début de ce soir de Lafrenière, on n'a pas vu grand-chose, hein? En tout cas, on n'a pas vu grand-chose des Rangers, tout cool. Donc là, Sam Delisle qui va avec du positivisme, avec une Selanne. Donc lui qui a eu les Ducks et le Wild. Mais il reste positif. Donc, même avoir une Carrier, même avoir une Carrier, c'est rare, ça. La seule affaire qui est plate là, la seule affaire qui est plate, Sam, des Ducks là, dans la série 2021, puis le Wild, c'est quand ils n'ont pas de Young Gun. Malheureusement. Donc, c'est un peu plate, mais sinon, quand même, j'ai déjà vu l'autre jour les deux autos dans la SPA, puis dans la Ingrain, ça avait été au Wild. Puis les Ducks, ben, tu pourrais avoir une belle Troy Terry là, dans la Ingrain Auto-Patch. Une John Van Beesbrook. Ouais, on en a vu une l'autre jour. Dans la chronologie. Puis est-ce que je cherche là. Oh, est-ce que je les ai toutes ouvertes? Je pense que oui. Donc, on va y aller. Donc. Le pire, c'est qu'il y a Pavel Bourré a joué en Floride, hein, fait que. Petite Pavel Bourré, là. Imagine une petite Pavel Bourré, là. Une petite Roberto Luongo au top-patch, un sur un, là. Donc, on y va, c'est parti, bonne chance à tous! Une Austin Matthews, Maple Leafs, UD Portrait. On commence avec une petite insert pour Toronto.
Quel caron, une petite checklist. Et on commence avec une Pavel Francouz pour le Colorado. Donc c'est pas lui qui était devant les buts. Hier, c'était Gruber, mais ça a tellement bien été que je serais pas surpris qu'on le voit dans l'alignement. Prochain match de l'Avalanche. Eux qui se sont fait lessiver même, hier. Hein. Ils sont fait blanchir en plus? Je pense que oui. Même. Et on a une petite Dazzler, donc la deuxième Austin Matthews qui sort, là, c'est une Dazzler, une bleue pour Toronto. Là, j'ai vu qu'on allait avoir une petite canvas dans celle-là. Celle-là, on va avoir une petite debut date. Juste avoir le côté des cartes, je suis capable maintenant de savoir qu'est-ce qu'il va avoir. Et là-dedans, on va avoir une UD Portrait. Checkez bien ça. UD Portrait, une debut date et une canvas. Ah, que j'étais pas loin. Non, c'est pas tout. Une pretty dominant ici de Patrick Kane et les Blackhawks de Chicago. Il me semble que mon focus à soir, là, il est actif. Donc, Chicago, Tommy Gagnon, premier insert, premier hit. Canvas pour Marc-André Fleury et Vegas. Yannick Bergeron, premier de ce soir. Base. Et ça va être une World Wild. Une World Wild, justement, j'en parlais de Philippe Krouber et j'ai rien eu de ce que j'ai dit. Fuck out, man. J'ai eu fuck out de ce que j'ai prédit pour chaque. Fait que je vais arrêter de faire ça et je sais pas pourquoi je pense, c'est parce que je suis genre, justement, je sais pas quoi faire, fait que je l'emballe déjà en partant. Une Philippe Gruber pour le Colorado. C'est eux autres, j'avais oublié d'ouvrir. Et voilà. Donc là, j'écoutais le match de Vancouver contre les Oilers d'Edmonton. C'était 2 à 1 quand je suis parti. En début de période, il y a eu un but de Nate Schmitz. Donc le défenseur, un maudit beau lancé, man. Il est rentré, il est sorti bien, bien vite. Clignait des yeux, tu savais pas qu'il y avait eu un but. Et notre Carter Hart Predominant, notre deuxième Predominant de la boîte. Philadelphie, qui est la Slain. Ah, Piqué Souben qui a joué au-dessus de 30 minutes. Ouf, une Liam Foley, UD Portrait Rookie, Columbus. Et on a une petite Young Gun de Thomas Harley ici pour les Stars de Dallas. Qui met la chance. Bye! Aucun point pour tout le monde des Rangers en fait. Si on dit vraies affaires, hein. Donc c'est rendu 3-1 là. Donc pas pire d'abord si McDavid en a scoré un en plus. Parce que là moi dans mon pool hein. Hey Philippe Archambault, premier dans le pool à date là. Le pool Savage. Fais juste, tu vas sur le lien, puis il y a comme 21 rondes, puis tu choisis chaque joueur. Puis à tous les mois, je vais faire une. Il va y avoir un 24 heures, là, vous allez pouvoir faire des échanges. Mais en tout cas, bref. Une Andrei Vasilevski, une Pink Dazzler, ça c'est une belle, ça c'est des. Ils sont vraiment. Pas vrai, c'est rare. J'en ai vraiment pas beaucoup les Dazzler Pink là. Faudrait que le monde s'en rende pas compte à quel point il y en a pas. J'en vois pas un. J'en vois peut-être une par genre trois boîtes là. Ouais, Phil, c'est correct. J'ai écrit tantôt pour dire que je l'avais arrangé. Donc vous devriez être capable d'être en mesure
Si vous allez sur notre groupe, là, ben soit vous allez sur notre site, puis c'est marqué pool, puis vous suivez le lien. Ou soit vous allez sur notre groupe Facebook, dès dans les annonces, puis le pool est là. Début date, Mario Ferraro, pour les chars de Saint-Nosé. Donc, j'ai après-midi, là, vers 2h, j'ai comme réglé ça. Là, j'ai l'impression, si c'est pas réglé, je vais retourner voir, là, mais j'ai changé la date sur le site pour que ce soit jusqu'au 20 janvier qu'on puisse s'inscrire. Et une Jacob Slavin pour les Hurricanes de la Caroline lors d'une des célébrations d'après-match. Donc, c'est pas évident, là, mais il y a un ballon de football dans ses mains. Probablement qu'il va le lancer à terre à la Gronkowski. Pour les Hurricanes. Les Kings. Mais si t'as essayé après 2 heures, ça marchait pas, là, par exemple, ça veut dire que ça n'a pas marché sur les cas. Fait que je rappelle aux gens que vous avez 3 chandails de la Ligue nationale d'officiel à gagner. Et les 3 premiers gagnent ça. Et les suivants, le 4 à 10 va gagner un crédit de 25$ sur nos breaks ou notre boutique. Et les 11 à 25, c'est ça, c'est 11 à 25 vont gagner un 10$. Et on a une Young Gun Canvas ici de Jason Robertson. Hey, fait longtemps qu'on avait pas vu une petite Young Gun, ça va sortir en fou parce qu'on en a juste 2. Et ça, en passant, ça compte pas dans les Young Guns. Pour eux, là, c'est sûr que ça compte comme un hit, là, mais pour eux, pour Upper Deck, c'est 6 régulières. Et là, on a une Canvas. Never give up, comme dirait. Et on a une Young Gun ici de Victor Solestrom ici. Le défenseur suédois. Non, les points commencent déjà à compter. Donc les retardataires, malheureusement. Fait que il y en a qui ont peut-être une journée en retard de la Ligue nationale, mais non, les points ont déjà commencé là. Ils ont déjà commencé, c'est M. Archambault qui est premier, Philippe, de son prénom. Et là, on devrait avoir une petite carte, et c'est une UD Portrait pour Saint-Louis et Brady Chan. Assez des bases. Et il nous manque toujours 3 Young Guns. Il y en a de moins en moins de paquets. Il nous en reste 9 au total. Never say never. On va avoir un petit jersey, là. Les petits jerseys. Yes, sir. Donc, ça fonctionne, dit Phil Grenier. Yes, sir. Tant mieux. Je suis content de le savoir. Une rookie rétrospective ici de Quinn Hughes. Donc, qui joue en ce moment contre les Oilers d'Edmonton. Et on a une petite Evander Kane. UD Game, Jersey, donc porté lors d'une partie. Et j'ai vu un memes fucking drôle, man, sur lui, là. Puis là, il montrait la liste des blessés. Des Sharks, puis là, t'avais comme genre, je sais pas quel joueur, c'était marqué Broken Leg. Et là, ensuite, Broken Jaw pour un autre gars. Puis là, Steven Durkin, c'était marqué Broke as fuck. Et ça m'a bien fait rire, ça, parce que c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, ça me fait rire. On a une petite Young Gun ici. On a une petite Young Gun ici. Et c'est une Jason Robertson. Donc là maintenant c'est la normale. La régulière. Et là c'est des bases. Never say never! Hey, salut de Seth de Deschambault. Je sais pas pourquoi tu dis Batman. Il est pas là, Batman.
Moi, c'est Fred. Et on a une petite Joël qui vit rentre. Hein? Quand je disais que c'était payant, là, puis je le dis souvent là, que c'est payant d'avoir Dallas là, dans la série 1, là, 2021. Là, il y a deux Young Guns régulières, puis une Young Gun Canvas de Jason Robertson. À date, là, pas mal lui que ça va bien. Ça va bien à date son break à lui. Là. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien qu'il a de la chance. Là. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va mal. Je pense que je suis maniaco-dépressif. Ouais, c'est une tonne des. Pour les connaisseurs, c'est une chanson des Chicken Swell. Une Corner Lebok ici. Corner Lebok, UD Portrait. Ouais, Charles Lévesque. Parce qu'ils ont 5 Young Guns ici dans le tout le tour. Ils ont 5 Young Guns sur 50. Fait qu'une Young Gun sur 10, c'est Dallas. Une debut date pour Ilya Samsonov des Caps de Washington. Le reste, c'est des bases. Ah oui, t'as la Thomas Harley en plus. T'as la barouette. T'as bien? Ça va bien? Non, c'est pas camp en masse. C'est vraiment Chicken Twill. C'est le gars avec le producteur du Bye Bye, là. C'est lui qui l'a chanté. Fait qu'il était dans la crampe en masse. Et Simon, c'est ça. Et voici Chicken Twill et Simon! Non, pis Simon Olivier Fecteau. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Je pense que je suis maniaco dépressif. Et voilà. Et non! On va avoir une autre Young Gun là-dedans. Hein, on va en avoir une autre, c'est sûr. Et je la vois déjà. Et Chris, ça va en avoir deux, je pense. Regardez. Comment je fais pour ça, là? Regardez. Voyez-vous ici, là, il y a ça, il y a ça, là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une Nicolas Baudin, je loue Chicago! J'aime loue Chicago! Tommy Gagnon! Oh, gros! Et je loue! You can see me, my time is now! Oh, Tommy Gagnon qui sort de nulle part! Et qui se pogne une jeune loue! C'est pas fini, il en reste une autre, le Young Gun. Parce que la jeune loup, elle ne compte pas comme une Young Gun. Superbe boîte jusqu'à présent. Et la prochaine Young Gun, c'est une Jake Evans. Il a commencé l'année à Montréal, donc lui, contrairement. Va sur notre site, et là en haut, si t'es sur ton téléphone, tu cliques en haut à droite, là, c'est trois petites lignes pour ouvrir le menu, il y a Pool. Si t'es sur un ordinateur, check juste dans le bord en haut, c'est marqué Pool. Aussi. Donc, Jake Evans, Montréal. Quel trou d'aile. Et on a une petite canvas ici de Chris Letang. Donc, dans un warm-up. Peut-être même au match d'ouverture, hein. Comme ça, hein, j'imagine. Base, base, base. Effectivement, on nous a jamais vu dans la même pièce. Ouf! Elle aussi me semble légère comme tantôt, là. Mais tantôt, hein, elle était légère parce qu'on avait une Redemption, puis il donne un mini morceau de papier, puis le mini morceau de papier, c'était écrit une Stamkos signée sur 10. Donc, est-ce que celle-là, ça va être... Oh, elle me semble... Il y a une mini-tick dedans. Il y a une mini-mini-tick. Et selon mon toucher maintenant rendu légendaire, ça devrait être, je pense, une Diamond Relic. Je pense que c'est une Diamond Relic. Ou c'est une Time Capsule, puis je vous confirme que c'est pas une Diamond Relic. Alors, préparez-vous à ça si vous voulez l'ouvrir ou pas. Ok, donc on s'en va voir ça. Et nous avons une Alexander Barkov pour la Floride. Steve Robitaille. Donc, Pascal Payant, la Floride qui sort en premier dans le chrono. Une petite Barkov, la 206e sur 222 toujours. Et ensuite, on a une... Il nous aime, lui, Willie O'Reilly. Souvent, là, on l'a, Sam Boisvert, la légende,
La légende des Bruins de Boston. Et en plus, il signe bien. Tu vois qu'il a pris son temps. Un gars de la vieille qui prend le temps de bien signer. Une légende à Boston, Hall of Famer. Willie O'Ree. Bien sûr. En fait, c'est une légende parce que c'est le premier Afro-Américain à bouger dans la Ligue nationale. Là. Donc, en ce moment, surtout là, que les gens essaient de conscientiser les autres. Avec des figures marquantes comme ça. C'est des légendes. Willie O'Ree. J'ai vu seulement 45 parties dans la Ligue nationale. Hein. Si vous saviez pas, je vais l'apprendre. Ensuite, on a une autre petite signature et c'est une signature de Yann Thurbault. Et avec un nom comme ça, défenseur pour les Leafs de Toronto, Mikael Caron, c'est sûr que c'est un batailleur. Donc, quand même 440 points dans la Ligue nationale, 736 minutes de pénalité. Désolé, je pense que j'ai pas vraiment bien montré la carte parce que je la regardais moi avec mes yeux puis je voyais pas que la caméra, vous la voyez pas. Donc, Toronto! Quel caron, signature, Yann Turnbull. Lui aussi, il a une belle signature. Nice, nice, nice signature, man. Et ensuite, on va aller. Et là, préparez-vous mentalement si vous allez l'ouvrir ou pas. Est-ce qu'on l'ouvre ou on l'ouvre pas? Et c'est une balade marchand pour les Bruins de Boston et Sam Boisvert. Elle n'est pas numérotée. Donc, est-ce qu'on l'ouvre ou on l'ouvre pas? Je pense que c'est la prochaine tune que je vais mettre. Comme. Et on ouvre ça! Ouh! Yeah! Pa 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 pa! Miami! South Beach, bringing the heat. Yeah. Can y'all feel it? Can you feel it? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Et c'est une John Leclerc. Donc, ce n'est pas signé, mais c'est quand même un marqueur de 50 buts que t'as là. Lui, quand il est parti du Canadien, il en a fait chier plusieurs. Sur 60 exemplaires, c'est la 5e print. Donc, 3 saisons consécutives. 95, 96, 96, 97, 97, 98 avec plus de 50 buts. Pour John Leclerc, ailier gauche sur 60. Donc, moi, si j'étais toi, je sais pas de quel âge, là, mais moi, je serais satisfait de ça. Je serais bien content d'avoir un petit John Leclerc après avoir ouvert une petite Brad Marchand. Parce que moi, je sais c'est qui, John Leclerc, puis il fait de rien que Montréal. Puis là, il est parti ici avec les Flyers. Pas qu'il faisait rien, j'étais jeune pour dire ça, mais je pense qu'il était pas à la hauteur des attentes. Il est devenu complètement fou! Devenu complètement fou avec les Flyers. Et Eric Lindros. Quel joueur! Eric là, quel joueur! Hein? Quel bon joueur! C'était. Lui là, pour vrai, là, à part le fait qu'il soit un esti d'idiot, là, pis que. Il était fragile, là. C'était le joueur parfait de hockey. Il était gros. Oh my god, c'est tight ça. Et que c'est lourd. Pis c'était un maudit gros sandwich à la crème glacée. Pour vrai, là. Et là-dedans, il y a du bois. Puis deux fois même, je vous dirais. Là. Il doit avoir le gros morceau de bois, le trophée. Là. Pas mal sûr qu'il l'a. Eh, même pas! Donc on va aller voir notre première carte, c'est une Tyler Seguin pour les Stars de Dallas. Kevin Lachance, c'est la fin de deuxième print. Donc on sait que 299, Liam Green, et on dirait que cette batch-là, là, donc en haut, on voit, c'est magané un petit peu. Donc, Lindros, sa mère, ça serait une crise de folle. Ben, je pense que toute cette famille-là est un peu ordinaire. Ici, on a une petite 109 sur 99. La rookie Casey Middlestats pour Buffalo et Rémi Ouellet. Et là, je rappelle que c'est une 18-19. Donc là, il faut se souvenir des recrues de 18-19. Là-dedans, on avait Peterson,
Carter Hart, Kotkaniemi. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir la prochaine carte? Une 18-19, et qu'est-ce qu'on a? On a une Noah Jolson pour le Canadien de Montréal, lui qui vient de signer avec, ben pas qui vient de signer, qui était réclamé par les la belle Floride. Donc, sauf que là, ça c'est une carte qui s'en va à Montréal. Michael Trudel, c'est à toi. Et pour vrai, là, quand j'ai vu le Canadien, j'ai fait « Oh my God! » Ça pourrait-il? Ça pourrait-il que... C'était pas Kotkaniemi, c'était une petite Noah Jolson. Quand même, lui, je lui souhaite une belle carrière. Parce que ça pourrait qu'il y en ait une pas pire. Là, on va avoir une petite remnant. Enfin, on va en avoir deux. Donc, on va aller en dessous. On a une petite Steven Stamkos ici. Synthesize. Donc, Stamkos, Synthesize pour Tampa Bay. Et là, il nous reste deux remnants. Donc, il nous reste deux morceaux de bois. OK? Deux petits morceaux de bois. Et là, c'est... On peut pas... C'est cool. On va checker celle-là vite fait. Et c'est une Connor McDavid! Edmonton! Et voilà! Donc, Maxime Guérard, Connor McDavid, et c'est ça, on a un morceau de son. Bâton! Ce qui était signé est sur ça, c'est une Connor McDavid. Avec une belle remnant ici. C'est la 10e print sur ça. Donc une belle corner numérotée sur ça, la 10e, un morceau de bâton. Good job. Good job à Jeffrey Tye. Ouais, Jeffrey Tye. Pas pire, pas pire, pas pire. Donc, on va continuer. Il nous reste une seule carte. Et on a une Serge Savard. Donc, Serge Savard, Montréal. Ceci est Montréal, là, deux dans la ingrain. Hein. Regarde, on va la passer parce que quand même Serge Savard, là, quand même la dernière. On en a déjà eu une remnant signée de Connor McDavid sur 15. Yeah, c'est moi qui l'avais sorti. Et oui, ça a été incroyable une signée, mais quand même, on s'entend quand même que c'est une corner, une Serge Savard. Donc, quand même, un beau break, là. La corner, je sais, la corner me satisfait bien en masse. Donc, en plus, c'est pas juste un morceau, genre, c'est pas un jersey, là. C'est vraiment un morceau de bâton, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est frais. Puis, tu vois la différence entre avant et maintenant, là. Plywood. Carbone. Ok, donc on va commencer à nous dire les hits qu'on a eu dans ce break-là parce qu'on a eu quand même beaucoup, là, honnêtement. Donc, la boîte de série 1, honnêtement, très impressionnante. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on avait dans la boîte de série 1? On avait une Pavel Francouz, Young Gun, une Canvas, Jason Robertson, une Thomas Harley, Young Gun, Victor Sedestrom, lui, surveillez-le. Une Jack Evans, une Joel Kirivanta, une Jason Robertson régulière. Et on a eu une jeune loup de Nicolas Beaudin. Moi, quand on me donne des jeunes loups et des canvas en extra, moi, j'aime bien ça. Dans la chronologie, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une petite... on a eu deux signatures. La Willie O'Ree et la Ian Turnbull. Donc, premier joueur, dans le fond... Afro-américain à jouer dans la Ligue nationale. Ensuite, on a un défenseur. On a eu la petite blonde marchand. Merci à Sam Bovard qui nous a laissé l'ouvrir. Et on a eu une John Leclerc sur 60. 60 seulement. Et là, on est arrivé dans la Ingrain. Et la Ingrain, pour vrai, moi, je suis satisfait. On a eu une petite rookie base. La 109e de Casey Middlestat, une Tyler Seguin, la 22 sur 299. On a une Noah Jolson pour Montréal, donc on espère que lui, il se rétablisse, il revienne un jour au joueur d'hockey régulier. Ses blessures, ils font très mal.
On a eu une petite Serge Savard sur Sam Remnant avec un morceau de bois restant deuxième print. Et on a la Corner McDavid, la 10e au total sur 7. Donc, une Remnant, un morceau de carbone. Corner. Ok. Félicitations, Jeffrey Tag. Fait qu'on se voit bientôt, les boys. Oh, j'ai skip ta carte de la Floride. Hein. On a une belle Alexandre Markov sur 100 ici, chronologie. La 2206e print au total. Ainsi. Pour toi. Donc, on se voit bientôt. Et merci d'avoir participé. Hein? On va aller écouter le hockey parce que sinon encore il est venu jusqu'à minuit. Yep.